Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter François. L'être humain vaut-il moins qu'un gramme d'or, de diamant, de coltan en RDC, la République démocratique du Congo? Nous allons parler de ce sujet choc. C'était une citation du livre de notre invité, Charles Onana, qui est docteur en sciences politiques et qui a publié le mois dernier Holocauste au Congo, appuyé notamment par la préface de Charles Million, un ancien ministre de la Défense sous Jacques Chirac. On va parler de l'invasion au Congo par le gouvernement rwandais. Bonjour Charles Nana, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. La démarche américaine depuis très longues années sur le Congo est très claire, c'est d'obtenir par la force, par la violence ou par toutes sortes de possibilités les ressources minières de ce pays. Et les États-Unis sont prêts à utiliser n'importe quelle méthode pour y parvenir. Et c'est aux dirigeants congolais de comprendre cela et de prendre leurs dispositions pour que leur population ne soit pas exposée à ce niveau de violence, de brutalité et aussi, je dirais, de servilité par les troupes rwandaises qui rentrent de façon illégale dans leur pays pour travailler pour le compte des États-Unis. Donc au niveau de, pour continuer sur ce théâtre politique, si on revient sur la France, aujourd'hui quand on parle du génocide rwandais, on a tendance aussi à montrer sous un bon angle Paul Kagame, puisqu'il venait de ce peuple victime du génocide, oui. Alors que vous aujourd'hui vous dites, mais attention, Paul Kagame... C'est un criminel de guerre, et je ne suis pas seul à le dire aujourd'hui. Mais absolument, parce qu'il y a eu beaucoup de juges qui sont arrivés à cette conclusion, et beaucoup de chercheurs également. Donc, je ne comprends pas ce cynisme et cette complaisance organisée autour de Paul Kagame. Monsieur Sarkozy a considéré, par exemple, que Paul Kagame est un allié stratégique de la France. Mais quand vous réfléchissez un peu, Paul Kagame, en quoi est-ce qu'il serait un acteur stratégique de la France? Le Rwanda n'a pas de minerais, le Rwanda n'est pas une puissance économique en Afrique, le Rwanda est un petit pays pauvre, enclavé. Donc comment est-ce que la France peut avoir comme allié le dirigeant de ce petit pays pauvre, enclavé? Donc quand on parle d'alliés stratégiques, c'est qu'on parle d'autre chose que des intérêts que la France aurait à avoir dans ce pays, mais on parle des intérêts privés. C'est ce que vous montrez avec toutes ces photos qu'on affiche à l'écran, avec Emmanuel Macron qui était avec Paul Kagame, tout sourire, Nicolas Sarkozy, Bill Clinton, donc le président américain au moment... Bien sûr. Alors, on voit très bien que tous ces dirigeants sont alignés sur la politique américaine. Et donc, à partir du moment où on voit... c'est la première fois dans l'histoire de la Grande-Bretagne, par exemple, qu'on voit un ancien premier ministre britannique se retrouver être conseiller d'un président d'un petit pays africain pauvre. Et on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il va conseiller à ce président. Parce que si c'était le président du Congo, on dirait qu'il est à la tête d'un pays avec d'immenses ressources minières. Donc, si un ancien premier ministre britannique vient donner des conseils, c'est pour différentes raisons. Mais quand on va donner des conseils à Paul Kagame, qui pille le Congo, on peut comprendre exactement le lien qu'il y a entre Paul Kagame, Tony Blair et les ressources minières à l'est du Congo. Donc, on est dans une configuration où les intérêts privés, les intérêts des personnalités politiques très importantes sur le plan privé, ont l'air de prendre le pas sur ce qu'on pourrait appeler les intérêts d'État. Et la véritable question est de savoir quelle est la part de ce qui relève de l'intérêt de l'État ou des États, et quelle est la part de ce qui relève des intérêts privés, c'est-à-dire des personnalités, y compris ceux qui ont dirigé des États. Pour revenir sur cette guerre géopolitique, 70% de la production de cobalt et de ses exploitations vient du Congo. Aujourd'hui, 50%, je crois que vous dites dans le livre, 50% du cobalt est accaparé par la Chine. Et donc, on comprend que ce sont deux blocs, finalement, politiques qui se font la guerre sur ces... La Chine est spécialiste dans le raffinage du cobalt. Et donc, la plupart des entreprises occidentales dépendent de la Chine pour ce qui est du raffinage du cobalt. Et donc, pour cette raison-là, il est évident que la Chine a pris racine au Congo depuis de très nombreuses années. La Chine est devenue non seulement un allié des entreprises occidentales qui travaillent sur la question du cobalt, etc., mais est aussi un concurrent
très sérieux de l'Occident qui régnait, je dirais, dans cette région de manière autonome et de manière monopolistique, hein, pour reprendre un terme économique. Si vous voulez, les Occidentaux ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de la Chine qui occupe, qui partage finalement le marché, parce qu'ils perçoivent l'Afrique comme un vaste marché, qui partage le marché avec la Chine. Et on a également en arrière-plan la Russie qui pointe son nez en République centrafricaine, qui également regarde avec beaucoup d'attention ce que font les Occidentaux dans cette zone-là. Et comme la France est de plus en plus décriée dans les pays africains francophones de manière générale, eh bien la Russie considère qu'il serait peut-être intéressant pour elle de prendre position sur ce qui relevait jusque-là du précaré français. Donc on est dans une guerre qui est à la fois économique et géopolitique, et cela est extrêmement dangereux pour les populations africaines. Et si les dirigeants africains ne prennent pas conscience de cette gravité de la situation et de se ressaisir pour travailler sérieusement, eh bien les gens vont être débordés dans les années qui viennent. Vous ne pouvez pas accepter, il n'y a personne de normalement constitué qui peut accepter que sa maison devienne le terrain de jeu des gens qui viennent de l'extérieur. Donc si vous acceptez cela, ça signifie que vous acceptez de ne pas être maître chez vous. Donc ce qui est important, c'est de constater que ceux qui viennent jouer aujourd'hui, d'ailleurs quand les États-Unis utilisent le Rwanda pour pouvoir piller les ressources du Congo, parce que les États-Unis considèrent qu'on ne peut pas faire confiance aux Congolais, on peut faire confiance aux Rwandais, parce que les Rwandais ont cette Kagame en particulier, à cette démarche de cruauté, la capacité de mener des atrocités de grande envergure, et donc ça passe comme une lettre à la poste. Et d'ailleurs, j'ai constaté, quand j'avais interrogé le procureur Carla Del Ponte en 2005, elle m'avait clairement dit que Paul Kagame lui avait dit « Vous n'êtes pas venu ici pour poursuivre les Tutsis », alors qu'en réalité, le tribunal pénal international donnait mandat à Mme Carla Del Ponte de poursuivre les crimes qui avaient été commis au Rwanda et dans les pays voisins. Et lorsque Mme Carla Del Ponte a été évincée, c'était les États-Unis qui étaient aux manettes avec Paul Kagame et les Britanniques. Donc c'est une réalité qui est terrible, mais c'est le constat qu'on peut faire de cette situation. Et donc quand on parle de terrain de jeu, effectivement ce ne sont pas de jeux dont on parle là-bas, puisqu'il y a eu un c'est le jeu de la mort. Et de mort, et aussi, vous parlez beaucoup des viols des femmes dedans, c'est quelque chose d'assez incroyable, comment est-ce que ces opérations militaires sont menées, c'est-à-dire que les militaires arrivent directement au Congo et s'accaparent des femmes pour pouvoir les emmener dans des... Vous décrivez dedans, il y a des entretiens de ces femmes-là que les lecteurs pourront lire, ou on peut lire un extrait « Je suis né dans la guerre et on a grandi avec la guerre, jusqu'à présent la guerre continue dans notre pays. Nous ne savons même pas si elle se terminera un jour. J'ai connu la guerre de Laurent Nkunda en 2006 et celle du M23 en 2012. J'ai été violé dans ces deux guerres quand les militaires rwandais sont arrivés dans mon village et nous ont trouvés à la maison de mon père. Il avait une ferme et du bétail. Nous avions une belle propriété. J'étais avec ma petite sœur. À l'époque, j'avais 14 ans et ma sœur 13 ans. Les militaires rwandais sont entrés dans notre maison, ont menacé de tuer mon père. Ils lui ont demandé les documents de la ferme, c'est-à-dire les papiers qui prouvaient que la ferme lui appartenait, ainsi que sa parcelle de terre. Alors, l'entretien est assez long, ils pourront aller lire ça, mais finalement, son père, la ferme est brûlée avec le père à l'intérieur. Les filles sont emmenées dans les forêts à côté, elles sont violées pendant 6 mois, le matin, le midi, le soir. Elles peuvent aller se laver entre les deux, mais c'est atroce. C'est un cauchemar pour ces enfants, pour ces jeunes filles qui ont 14 ans, 13 ans, 12 ans, 10 ans, et ça dure depuis presque 30 ans. Et depuis 30 ans, à l'est du Congo, c'est le quotidien des fillettes de ce pays-là. Depuis 30 ans, c'est-à-dire que beaucoup d'enfants sont nés de ces viols massifs. Et il y a une qui dit qu'elle ne sait pas dire à son enfant qui est son père, puisqu'elle a été violée par au moins une quarantaine de militaires tutsis rwandais. Donc, on est devant une situation que l'ensemble de la communauté internationale connaît, puisque les Américains ont des images satellites, puisque les rapports des services de renseignement sont fournis, sont produits. J'ai retrouvé dans les documents du Pentagone et des archives du président Bill Clinton la description des atrocités qui ont été commises par les troupes de Kagame au Rwanda et en République démocratique du Congo. Le problème, c'est que puisqu'il s'agit de leurs garçons de course, il est hors de question de poursuivre
M. Kagame et ses troupes. Et c'est pour cette raison qu'on demande même, et alors ça c'est le comble de ce que j'ai découvert, c'est que depuis 30 ans, on demande aux Congolais de négocier avec tous les groupes armés qui pillent le pays et qui violent ces fillettes. On leur demande de négocier, alors que dans le même temps, on vous dit qu'on ne peut pas négocier avec Poutine. En 1994, on a dit que on ne pouvait pas négocier avec ceux qui avaient commis les crimes au Rwanda et qu'il fallait qu'il y ait un tribunal pénal international qui soit créé pour les poursuivre. Comment expliquer que les mêmes qui ont créé le tribunal pénal international, les mêmes vous disent aujourd'hui qu'on ne peut pas poursuivre les auteurs des crimes du Congo et que les Congolais doivent négocier avec leurs bourreaux? Ça, c'est quelque chose qui, intellectuellement, est incompréhensible et, je dirais, irrationnel. Comment est-ce que le gouvernement américain a-t-il proposé, en plus, d'aider le gouvernement de Paul Kagame directement avec, en lui proposant, il leur proposait des intérêts dans la banque? Vous mettez ça dans des lettres directement, il leur disait, nous, on va pouvoir intervenir là-bas, mais en échange, on vous donne ces cadeaux-ci et ces cadeaux-là. Mais écoutez, le Rwanda est financé depuis 1994, après le génocide, par des fonds de la Banque mondiale, du gouvernement américain, de tous les gouvernements, beaucoup de gouvernements européens, occidentaux, ont mis, je ne parle pas des ONG, à fond perdu. Quand je dis à fond perdu, c'est-à-dire que le Rwanda est devenu un gouffre financier pour les pays occidentaux. Quand je dis un gouffre financier, c'est au vrai sens du terme. C'est-à-dire que c'est l'argent qui ne revient pas dans les caisses de l'État, des États occidentaux. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un petit pays pauvre, sans ressources et enclavé. Donc, quand vous mettez autant de millions de dollars, autant de milliards au Rwanda comme mon ami, mais c'est pour quelle raison? Et ça, il faut qu'il y ait un débat public ouvert dans les pays occidentaux pour savoir à quoi a servi l'argent qui a été alloué au Rwanda depuis 1994. Il faut que les parlements et les parlementaires de français européens interrogent l'usage qui a été fait et les résultats qui ont été obtenus de tout cet argent, parce que je vous parle de milliards de dollars engloutis et envoyés au Rwanda depuis près de 30 ans. Ça a servi à quoi? Et donc, si on répond à cette question de façon objective et de façon documentée, on pourra comprendre d'autres choses. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que M. Bill Clinton, lorsque les membres du Congrès américain lui ont demandé « Mais quel a été le rôle que nous avons joué au Zaïre lorsque Paul Kagame s'est emparé de ce pays ?» Il a été incapable d'apporter la moindre réponse crédible. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, et pourtant sur les médias, on travaille beaucoup là-dessus à François, sur ce dont parlent les médias ou ne parlent pas les médias. Là, aujourd'hui, on a l'impression, en vous écoutant, on peut parler par exemple de génocide, et s'il y a un génocide, on peut parler, mais s'il y a d'autres holocaustes, on peut faire fi, on peut invisibiliser tout un holocauste. Bien sûr, mais écoutez, c'est tout à fait compréhensible au vu de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon, vous avez un pays... C'est incompréhensible aujourd'hui qu'un tel holocauste avec des millions de morts puisse se passer de médiatisation, puisse être aussi invisibilisé. Les gens, c'est extrêmement dur. Oui, je comprends. Mais c'est pour cette raison que les gens sont mal à l'aise avec ce livre et ils sont mal à l'aise avec le sujet. Au Rwanda, on a dit qu'il y a eu entre 500 000 et 800 000 personnes tuées en 1994, dont victimes du génocide. Bon, on a créé en l'espace de 6 mois un tribunal pénal international pour juger ces gens. Le Congo est victime de plus de 10 millions de morts, c'est-à-dire que le nombre de victimes du Congo dépasse tout l'ensemble de toute la population du Rwanda en 1994. Les populations du Rwanda étaient 6,5 millions. En 1994, les Congolais sont à plus de 10 millions, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez rasé le Rwanda de la carte et il n'y a pas de débat et il n'y a pas de tribunal pénal international. Et donc, quand vous voyez qu'il y a 500 000 femmes, c'est-à-dire un demi-million de femmes violées, vous n'avez en Occident aucune association féministe qui décide de se mobiliser pour les femmes du Congo. Ça explique tout. En quoi est-ce que les femmes du Congo seraient différentes des femmes du Rwanda
en 1994. En quoi est-ce que les victimes congolaises seraient différentes des victimes du Rwanda en 1994? Donc, vous avez vu, par exemple, ces dernières années, que le Paris Saint-Germain fait de la publicité pour le Rwanda. Il n'y a pas de club de football digne de ce nom au Rwanda. Quand vous entendez parler des clubs de football en Afrique, le Rwanda ne figure même pas sur la tête de liste des 30 premiers clubs africains. Donc on glorifie pour éviter de montrer ce qu'il y a sous le tapis. Absolument. Arsenal, le grand club Arsenal, fait la publicité pour le Rwanda. Un petit pays pauvre, enclavé, sans ressources. Expliquez. Enfin... Quand vous voyez tout ce que je mets en évidence, ça ce sont des informations que tout le monde peut vérifier, quand vous voyez tout ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qui attire tant de gens dans ce Rwanda, petit pays pauvre, qui est réputé pour le niveau de criminalité qu'il y a eu là-bas en 1994, et qui est réputé aujourd'hui par le degré de criminalité économique et la démolition des populations de l'Est du Congo, près de 10 millions de personnes. Qu'est-ce qui peut attirer les gens dans ce pays-là? C'est-à-dire, si c'était un pays qui produisait des savants ou qui produisait, des chercheurs de haut niveau, vous diriez, ah ben, on comprend que dans ce pays-là, il y a un tel niveau de production d'intelligence que les gens sont fascinés par ce pays. Sauf que là, c'est plus la... proximité. C'est la criminalité. Pour vous, c'est la proximité de ce pays avec des exploitations minières, notamment. Des exploitations minières, parce que, écoutez, le Rwanda est devenu un des grands pays africains d'exportateurs de coltan, de cobalt, de cassitérite. Il n'a pas un gramme de minerai dans son sous-sol. Donc vous comprenez que toute la mafia minière internationale va s'approvisionner au Rwanda. Vous comprenez que toutes les grosses entreprises qui veulent avoir un coltan, un cobalt obtenu par la fraude vont au Rwanda pour s'approvisionner de ces minéraux. Donc, c'est ça la clé c'est à la fois la clé du silence, c'est pour ça qu'on parle d'omerta, c'est la clé du silence, mais c'est aussi la clé de l'impunité. Parce que si vous braquez les projecteurs sur le Rwanda et sur ce qui s'y passe, eh bien, vous allez trouver des gens que vous ne soupçonniez pas dans ce genre d'opérations clandestines minières. Et donc, pour être bien clair, si sur ces enjeux géopolitiques, si le bloc occidental, la France et les États-Unis, n'ont pas la main mise sur le Congo, ce sera la Chine qui aura la main mise sur ces ressources-là. C'est de ça dont ont peur les États-Unis. Probablement, parce que ils se disent un pays qui a autant de minerais. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était déjà le cas. C'est-à-dire que les Américains avaient peur que Hitler s'empare de l'uranium du Congo et devienne une puissance atomique. Et cela avait été parce qu'à l'époque, Hitler avait créé en Allemagne, au sein d'un institut qu'on appelait l'Institut Kaiser Wilhelm, il y avait des grands physiciens et des chimistes qui travaillaient déjà à la fabrication de la bombe atomique. Donc, si les Allemands arrivaient à s'emparer de l'uranium du Congo, ben, ça en était fini pour les États-Unis. Donc, le problème des Américains, qui ont toujours, je dirais, cette maladie de vouloir être le leadership du monde, de vouloir être les premiers, les grands dominateurs de la planète, ben, il leur faut absolument maîtriser, contrôler toutes les ressources qui leur permettent de conserver cette place dominante. La Russie, dans tout ça, nous n'avons pas parlé de la Russie, mais qui est un autre bloc, est-ce qu'ils essaient aussi de... Les Russes ont une approche, je dirais, très tactique, parce que les Russes se sont rendus compte que, au fil des années, la politique française, ou la politique menée par les gouvernements français successifs, a été considérée par les Africains comme un échec. Et donc, ils se sont dit qu'en venant progressivement s'installer dans tous les pays où la France est décriée, ils vont occuper des zones d'influence importantes et que dans ces zones d'influence, qui ne sont pas tous ces pays-là ne sont pas des pays pauvres, hein, donc il y a des pays extrêmement riches, eh bien peut-être que la Russie peut créer non seulement une zone d'influence, mais peut rivaliser et dominer les Occidentaux
comme ils ont eux-mêmes dominé le monde pendant de très nombreuses années. Donc on est au cœur d'une bataille géopolitique très importante et au cœur d'une lutte d'influence qui est extrêmement dangereuse et féroce entre la Russie, la Chine et les puissances occidentales. Moi, j'ai essayé très modestement de faire ce livre pour faire comprendre tout simplement à ceux qui donnent des leçons des droits de l'homme à longueur de journée qu'il y a une incohérence à vouloir, par exemple, poursuivre le président de la Russie et ne pas poursuivre le président Kagame. Et qu'il y a une incohérence à s'intéresser à l'Ukraine et à ne pas s'intéresser à des millions de morts au Congo. Qu'il y a une incohérence à créer un tribunal pénal pour le Rwanda où on avait entre 500 000 et 800 000 personnes et ne pas créer un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo où on a des dizaines de millions de morts. Il y a un problème. Qu'est-ce que vous espérez pour l'Afrique, pour le Congo, le Zaïre? Est-ce que vous avez des espérances ou vous montrez cela que par... Non, je suis très optimiste. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'abord très optimiste par le fait que vous m'invitez à parler de ça. Ça signifie qu'il y a des espaces de liberté qui existent en France. Et ça, c'est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que je suis très optimiste en ce sens que on ne peut pas arrêter le progrès. Le progrès, ce n'est pas la destruction des vies humaines. Le progrès, c'est autre chose que cela. Et les gens, quand les gens vont apprendre à regarder le monde autrement que par la recherche du leadership, la recherche de la domination, la recherche des massacres de masse pour régner, le fait d'accumuler des richesses, parce que, enfin, vous savez, un cercueil, c'est très petit, hein, pour pouvoir, vous pouvez être milliardaire, vous ne pouvez jamais, vos milliards ne suffiraient jamais dans un cercueil. Vous pouvez accumuler, je crois, 250 villas à travers le monde, on ne peut pas les mettre dans un cercueil. Et quand vous finissez votre parcours terrestre, eh bien, vous laissez tout cela à la postérité. Donc, c'est pour cela qu'il est important que les gens soient un peu plus intelligents, je dirais, pas intelligents, parce que ça fait prétentieux, un peu plus évolués que ce qu'on est en train de nous proposer. Donc, il y a des possibilités aujourd'hui que les gens soutiennent des dirigeants politiques qui pensent autrement, qui voient le monde autrement et qui peuvent apporter effectivement ce qu'on peut appeler un certain niveau d'évolution aux populations et que ces populations elles-mêmes cessent d'être, je dirais, spectatrices de leur propre désastre. Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, le nouveau livre de Charles Onana, préfacé par Charles Mignon. Et c'est aux éditions de L'Artilleur, j'avais oublié de parler les éditions qui vous suivent depuis... Une édition très courageuse en France. On manque d'éditeurs courageux aujourd'hui? Je pense que beaucoup d'auteurs le savent. D'accord. Merci en tout cas Charles Onana d'être venu sur ce plateau une nouvelle fois. Je vous remercie et je vous souhaite longue vie.